Et donc cette tournée est une tournée donc avec l'Orchestre National d'Île-de-France et puis le maestro Rubikis qui le dirige. Donc c'est un programme Rossini avec une ouverture, le concerto de Mozart pour clarinette et la deuxième symphonie de Beethoven. J'avais déjà joué en fait ce concerto de Mozart il y a 2 ans avec l'Orchestre National d'Île-de-France, dirigé par Yoel Lévy. Et puis c'est vrai que là, avec cette tournée, on a vraiment une nouvelle approche, car évidemment, un nouveau chef, donc une nouvelle ambition, des nouvelles découvertes et propositions. My first experience when I met him was that he is very talented, very well understand each other on the stage, on the rehearsals, and actually it is in some kind of point, this is the conductor dream, that he can work with a soloist or with the orchestra who don't ask so much to talk, but catch each other on the stage, the ideas, the phrase, the breath of the music. Le concerto de Mozart, c'est le tube de la clarinette, ça, c'est notre morceau le plus célèbre. Voilà, grâce à tous les mouvements évidemment, mais surtout particulièrement le deuxième qui a été souvent repris dans des musiques de films, etc. Donc c'est très très célèbre, très populaire. Et puis, en tant que clarinettiste, il y a toujours vraiment beaucoup d'émotions à jouer ce concerto parce que c'est une œuvre qu'on découvre souvent vraiment jeune, qu'on travaille assez tôt, etc. Et puis c'est comme un aboutissement de le jouer en soliste, donc avec orchestre. Concerto de Mozart, maintenant ça fait un certain nombre d'années que je le joue en soliste assez souvent. Alors c'est évidemment c'est un atout, c'est de l'expérience, mais ça peut aussi être à double tranchant parce qu'il faut toujours se méfier de ne pas tomber dans la facilité de se reposer sur ses lauriers et de se dire c'est Mozart donc ça roule, je le retravaille un peu la veille et ça marche, parce que ça nécessite toujours une concentration et puis une grande intériorité, une profondeur. Et donc pour chaque concert, pour chaque tournée de Mozart, je le prépare toujours, enfin souvent en tout cas en écoutant d'autres pièces de Mozart, d'autres œuvres, et puis en retravaillant la partition différemment, un peu de travail sur la partition, d'analyse, d'écoute, de recherche, etc. Puis évidemment après se remettre les traits dans les doigts, les choses plus clarinettistiques, tout ça. Mais essayer de jamais se dire que voilà, là le Mozart était super et puis j'en reste là. Toujours chercher quelque chose de plus, de différent, de selon l'humeur, l'endroit, etc. Il y avait quelque chose qui m'avait marqué quand j'étais petit, c'est que j'étais allé voir le premier Harry Potter au cinéma, et puis c'était la baguette qui choisit le sorcier toujours. Et puis moi c'était un peu ça, j'avais essayé quand j'étais petit des clarinettes, tout ça, et puis il y en avait une sur laquelle vraiment tout se passait bien, etc. Et donc après ma clarinette vraiment
je suis particulièrement à l'aise dessus, etc. Et c'est quelque chose d'important pour moi. Enfin, je pourrais pas changer de clarinette tout le temps, etc. Là, je suis sur une Selmer Privilège. C'est une clarinette que j'ai essayée il y a maintenant, enfin que j'ai adoptée il y a maintenant un an et demi environ. Et puis pour moi, vraiment, sur la Selmer Privilège, je me suis en quelque sorte retrouvé. Parce que j'ai trouvé un instrument avec beaucoup de, énormément de richesse, de coffre et de. Enfin, vraiment un instrument très très riche avec beaucoup de matière. Et donc vraiment j'ai pu, au niveau de la puissance et de l'expression, aller beaucoup plus loin. Et puis tout en cherchant la précision, et puis au niveau du son, puis des sensations de confort, ça m'a particulièrement séduit. Vraiment j'étais très très sensible à la sonorité très chaleureuse qui le reste dans les fortés et puis les aigus, les suraigus. Et puis voilà, après par rapport à cette puissance de contraste, et puis voilà, les sensations, c'est très implicite, mais voilà. Eh bien juste avant les concerts, bon, environ une demi-heure avant, je commence déjà à un peu me renfermer dans ma bulle, dans la musique, à repenser à ce que je vais jouer, à essayer d'entrer dans ce monde, cet univers-là. Puis après aussi, tout simplement, à essayer une hanche pour être absolument sûr et certain que c'est la bonne, être le plus à l'aise possible, etc. Et puis essayer de me détendre aussi, de bâiller, de fermer les yeux, voilà, de juste de me reposer. Pour un peu évacuer le petit trac qu'on a toujours, la petite montée d'adrénaline avant de monter sur scène. Et puis bon, bah arriver à peu près 20 minutes du concert comme maintenant, bah je m'habille, hein, et puis donc c'est là que je vais y aller. Et puis malheureusement, c'est privé.